So, Les Misérables. It begins the day that France has won the World Cup. Summer has arrived, and in theory, it should be a good day. And this is where Lajli's explosive Cannes Jury Prize-winning debut feature begins, in Montfermeil, the same banlieue of Paris where Victor Hugo's chef d'oeuvre on the downtrodden of France also took place. A century and a half later, Lajli picks up on thematic threads of the great writer in a modern take on revolution against a broken system. Shot on location and using many first-time actors, Les Misérables is an example of a work of exciting new crop of French filmmakers who are audacious in wanting to challenge traditional narratives of what it means to be French. And also, during a time of rising nationalism and right-wing politics in France and across Europe and globally, Lee's film further reverberates with an urgency, as this isn't merely a portrait of a community, but also a study of a nation on the brink. Like all our films, this is eligible for the Grolsch People's Choice Award, and you can vote online at tiff.net/vote. And we would like to thank Level Films, Amazon Studios, and Wild Bunch for providing us with this film. And also thank you to Unifrance for their generous support. Lajli was born in Mali and grew up in Paris. His directorial credits include the documentaries 365 Days in Clichy, Montfermeil, 365 Days in Mali, and Speak Up. His César-winning short documentary, Les Misérables, from 2017, was the basis for the film you are about to see, again, which won the Cannes Jury Prize. Please join me in welcoming to the stage, Lajli. Bonsoir Toronto, je suis très très content d'être là et de présenter mon film ce soir. C'est un moment assez particulier pour moi de me dire que mon film se retrouve ici même au Canada, donc je suis très content et très fier. Donc voilà, Les Misérables, c'est mon premier long métrage. Voilà, ça va faire plus de 10 ans, plus de 15 ans que je réalise des petits films, des courts-métrages, des documentaires. Et donc là, voilà, je me retrouve à présenter ce film, donc je suis super content. Je vais vous laisser le découvrir. Les Misérables, c'est un film qui parle avant tout de la misère sociale, qui questionne sur la place de l'enfance dans ces quartiers difficiles, qui parle des violences policières. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, je vous laisse le découvrir. Après le film, il y a un débat qui est prévu, donc on aura le temps d'échanger si vous avez des questions. N'hésitez pas, une fois de plus, je peux vous dire que je suis très très fier de présenter le film ici. Merci à mes producteurs, Toufik Ayadi, Christophe Barral, distributeur Wild Bunch, Vincent Maraval, qui a fait un boulot incroyable. Je vais remercier aussi Amazon qui ont acheté le film et qui ont diffusé aux États-Unis, donc on est très fier de ça. Merci au festival, à toutes les personnes qui ont fait en sorte que le film puisse exister ici. Merci beaucoup. Et merci à vous et bonne projection. Voilà. For those of you who didn't understand the original, good evening. He's very happy and proud to be in Toronto. As he said, good evening, Toronto. It's a very special moment for him. He's been working on films for 10 years now, but this is his first full-length feature, and it talks about the social misery of the part of town where he grew up and still lives. And since we're here and we're thanking everybody, he would like to thank his producers who are sitting here. He would like to thank the distributors. He would like to thank Amazon. He would like to thank TIFF. And really to thank you for coming to the screening. There are a lot of things to discuss about the film, but he's not going to spoil your fun by telling you too much.
So there will be a Q&A afterwards where we can have an exchange. Enjoy the film. Thank you. Merci, merci beaucoup. Merci pour cet accueil incroyable. Merci, je suis très, très ému. Merci beaucoup. Merci d'être ici. Thank you also for being here. Là, I'd like to begin with a question about your documentary work. This is a first fiction, but it has such an urgency of almost being a documentary again. How did you strike this balance? Bah, à la base, moi, je viens surtout du documentaire. J'ai commencé avec mon collectif qui s'appelle Courtrajmé en 96. Et en fait, j'ai commencé en tant qu'acteur et je me suis vite mis à la réalisation du documentaire. Donc, pendant des années, j'ai filmé mon quartier avec ma petite caméra. Et en fait, le point de départ de ce film, c'est une bavure policière que j'ai filmée il y a aujourd'hui 10 ans de ça. Et en fait, suite à cette bavure que j'ai filmée et diffusée sur Internet, il y a eu une enquête de l'IGS, des policiers ont été suspendus. Et en fait, c'est une première en France, le fait que des policiers soient suspendus suite à la diffusion de cette vidéo. Je vais laisser traduire. He started off by making documentaries. And he was only, he, together with his collective, which was established in 1996, and then he moved on with his work. Now, before making this film, he'd been making documentaries for 10 years, but he also was part of a group which was shadowing policemen in that part of town and filming them, which created some tension. And eventually, in one case, the documentary he shot about, shall we call it policeman's behavior, he put on the internet, and for the first time ever, these policemen were kicked out of the service thanks to the films that he shot. Et donc, pour moi, c'était important de garder ce côté documentaire, même si je suis passé à la fiction, mais j'ai voulu garder justement ce côté très réaliste, caméra à l'épaule. Et justement, même par rapport aux comédiens, les trois policiers sont des comédiens professionnels, mais dans l'idée, tous les autres personnages que vous voyez dans le film, c'est des gens qu'on a castés, qui habitent le territoire, que ce soit Clichy ou Montfermeil, qui n'avaient pas spécialement d'expérience dans le cinéma. Et moi, c'était important pour moi d'impliquer les habitants parce que ça les concerne et c'est aussi quelque part leur histoire. Donc voilà, j'ai travaillé avec des professionnels et des non-professionnels, et ce qui rend ce rendu très, très réaliste. In order to, he wanted to keep it, even though it's a feature film and fiction, as realistic as possible, keeping his work style of a handheld camera. So in the film, what you see, the three actors playing the policemen are actually professional actors, whereas all the others are non-actors without, you know, formal training, who all come from the same area where he lives. And it turns out that the relationship and the work together between the professionals and non-professionals was very successful. Merci. I'd love to talk more about the casting and the performances in particular, especially those of the first-time actors. They're so incredible and carry so much of the film. Can you talk about the workshops and what that process was like? Après, clairement, moi, j'ai mis une annonce dans le quartier. J'ai dit que je cherchais différents acteurs. Et en fait, il n'y a pas spécialement eu de répétition. On a rencontré les jeunes. Il y a eu une première rencontre. Je les ai filmés une première fois. Mais après, ça s'est fait vraiment sur le tas. Parce que moi, j'ai l'habitude un peu de travailler comme ça, au feeling. Des fois même, je voyais des gens passer dans la rue. Je les arrêtais. Je dis, tu veux tourner une scène? Donc, ça marche aussi beaucoup au feeling, vu que c'est un quartier qui est très mouvementé, où il y a beaucoup de monde. Donc j'aime bien, moi, travailler comme ça avec des gens qui n'ont pas spécialement d'expérience dans le cinéma.
So what he did was he put an ad locally, and the people who showed up were obviously non-professionals, and that's one of the things he likes is spontaneity. He likes, for instance, he can stop somebody on the street and say, if you're doing nothing better here, I need you in this scene. And no, seriously. And there were no, if you like, rehearsals, because he feels that he needs the spontaneity. So he let things, if you like, happen, and you've seen the result. Just, there is one actor which you know very good. My English is so bad, excuse me. It's the children with the drone, Buzz. He's his child. It's his son. Oh boy. His son. Bah, c'est vrai que quelque part ça faisait sens de que ce soit mon fils en tout cas qui interprète quelque part mon personnage, parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années, filmer ce territoire. Et oui, après la différence c'est que lui il avait un drone et que moi ça restait une petite caméra numérique toute pourrie. It made a lot of sense for his son to play, if you like, him at a younger age, because as he said earlier, he used to run around first with a small camera. So the fact that his son has a drone with an electronic camera on it fitted the bill. Un petit mot des producteurs, bien sûr. Déjà, je voulais les remercier parce qu'ils ont fait un travail incroyable. Je vous demande de les applaudir. Parce que ça n'a pas été... Ça n'a pas été facile, pardon, de monter ce film. C'était le parcours du combattant. Il y a 2 ans, on a tourné un court-métrage qui s'appelait aussi Les Misérables. Le cours a très bien marché. On a fait plus de 150 festivals. On a remporté plus de 30 prix. Et malgré ça, on a eu beaucoup de difficultés à financer le film. C'est un film qui a eu un tout petit budget. Bon, je ne vais pas donner les chiffres, mais on a dû faire ça vraiment avec des bouts de ficelle. Et voilà, c'est pour ça que je voulais les remercier, parce qu'ils ont fait un travail formidable. He's thanking in particular the producers, because it was very difficult to make this film, because the origin of it was a short film, which was shown with great success in all sorts of festivals, had more than 30 awards, and yet when it came to shooting a full-length feature film, it was very, very difficult to get any financial backing for it. So all the more reason to thank the two producers, without whom obviously none of this would have happened. Non, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un film dans lequel on parle de réalité que des fois on a du mal à accepter en France, mais que nous on avait une conviction, je pense, en faisant ce film, c'est que même en parlant d'une situation très locale, ça pouvait parler pas simplement à la France, pas simplement à leur milieu, mais à beaucoup d'endroits dans le monde. Et quand on voit la réaction ce soir, on se dit qu'effectivement ça peut parler à plus que juste à Montfermeil. One of the reasons they wanted to produce it, and he was produced on a shoestring budget, was to show that this is not just a film about France, because that situation or a similar one exists everywhere. And it's wonderful to see the reaction of people elsewhere who watch this and react in exactly the same manner as what they had in mind when they produced the film. I would like to turn it over to the audience if there are any questions. I just ask that you raise your hand nice and high, and I will also repeat the question for the benefit of people who might not have seen, right here in the front. Festival, and I can tell you this, it's not only, of course, here,
I know, but this is not only the reality of France, it's from everywhere. So really, no, I think her comment's very important, and what she's saying, yes. Yeah. No, thank you so much for this comment. No, it's very important. Yeah. Thanks. Thank you. Yes. Thank you. And maybe could we speak about this further? As she was saying, this is not a topic that is discussed openly in France. As I said off the top, I think this film also challenges what it means to be French and who is seen as French as well. So why is that important to you? And also ties into your film collective work as well, I believe. Bah, j'estime que qu'un film comme ça, c'est vachement important. Quand je dis nous, c'est en France, c'est un sujet qui dérange beaucoup. C'est un sujet qui reste assez tabou. Les banlieues, on veut pas spécialement en entendre parler. Donc c'est vrai qu'un film comme ça, il doit exister. Il a sa place. C'est important que les gens le voient. C'est important que les gens en parlent. Et comme je dis souvent, on a tendance à parler à notre place, clairement. Et aujourd'hui, nous, on a décidé de prendre la parole et de raconter nos propres histoires. C'est pour ça, d'ailleurs, on a créé une école de cinéma qui s'appelle l'école Courtrajmé. Ça va faire plus d'un an. On a décidé de former cette nouvelle génération au métier du cinéma. Donc, on a ouvert une première école en France. On ouvre 5 écoles en Afrique. Et l'idée, c'est d'en ouvrir un peu partout. Instead of having other people show their situation or speak in their name, their whole idea was that they will show the way they see these things. Because in France, the subject is very often taboo. So the people don't discuss it. I mean, everybody knows it's there, but... And that's why they also decided to set up several movie-making schools. They started by having one in France, and then they moved to several African countries, so that exactly those young people who could never afford to go to a school otherwise can be trained by professionals, but the way that they can afford to, otherwise not paying, learn the art of making movies. So the question is in regards to the ending and whether it was always intentionally ambiguous. Non, clairement, on avait un scénario, on s'est tenu au scénario, même si des fois on avait d'autres idées, mais voilà, on s'est dit que la fin, elle était importante, qu'elle faisait sens. Et ce que j'explique aussi, c'est que cette fin, c'est une fin où je laisse de l'espoir, parce que j'estime qu'il y a encore de l'espoir. C'est pour ça d'ailleurs que le cocktail n'a pas explosé. Voilà, je dis que clairement, aujourd'hui, la situation, elle est certes compliquée, mais il y a encore moyen de discuter, de trouver des solutions. Et c'est pour ça que j'adresse avant tout un cri d'alerte aux politiques, parce que j'estime qu'ils sont quand même les premiers responsables de cette situation. Et l'idée, c'est que, voilà, qu'ils voient le film et qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table et trouver des solutions à tous ces problèmes. This was always meant to be the ending, to leave it on purpose for the audience to make up their own minds or their decisions. Because the way that the film ends, it ends for him at least on a note of hope that not all is lost, because the Molotov cocktail is not thrown and the gun is not used.
And so what they want to do is, since they all feel that the responsibility for these dire conditions lies with the powers that be, that by showing it, people would talk about it, and people might even, in this note of optimism, gather around a table and try and find ways to get out of that kind of a situation. My question is taking the last quote from Victor Hugo, where you said there aren't bad plants. Hugo said there aren't bad plants, there are only bad cultivators. So when we see different countries, like she mentioned, like France, where you have liberty, equality, and fraternity for half, but not the other half, where we go to Brazil and we see the favelas, but not that. So in your opinion, from your documentaries, from what you've lived and who you've talked to, how do we cultivate a better France, a better Brazil, a better Colombia? So the question is in regards to the final quotation and how we cultivate a better France, a better Brazil, a better Canada, a better United States of America. Président. Président Lajli. Non, mais c'est vrai que cette phrase, bien sûr, elle s'adresse aux politiques. Les premiers responsables, quand je le dis clairement, ce sont eux. Après, je n'ai pas de solution miracle. Hein. Voilà, moi, je fais des films, je fais un constat et aux politiques de trouver une solution. He doesn't have a magic solution. So. Obviously, the quotation at the end is meant for the politicians, for the people who, at least in theory, have the power to do something to rectify the situation. Is there anyone in the balcony? It's quite bright. No? Okay. It's in the gray shirt. So was there one character from the original Victor Hugo text that inspired the film? Oui, après, comme je dis, ça reste. C'est pas une adaptation du roman, vous avez pu le constater. C'est vraiment un petit clin d'œil que j'ai fait au roman de Victor Hugo. Il se trouve que Montfermeil, la ville où j'habite, où est-ce qu'on a tourné le film, une partie du roman de Victor Hugo se déroulait aussi à Montfermeil. Donc, depuis très jeune, on a un lien assez fort avec ce roman. Et ce que j'explique aussi, c'est qu'un siècle plus tard, ben, la misère, elle est toujours présente sur ce territoire. Et la question, c'était. Ah, les persos, oui, pardon. Et les personnages, oui, bien sûr, si on peut comparer peut-être Gavroche au petit Issa, Javert à l'équipe de la BAC, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre que Guada? Guada, pareil, c'est l'inspecteur, c'est Javert et l'équipe de la BAC. Après, on peut faire quelques comparaisons comme ça, mais voilà, après, à vous de voir si vous trouvez des similitudes ou pas aux personnages. Obviously, this is not an adaptation of the original novel, but one of the links is that the original novel takes place in the same area where he grew up and still lives, and so everybody's exposed from a very young age to the original Les Misérables. The most obvious comparison is Gavroche in Victor Hugo and Issa, the kid with the wound, but also if you take Javert and look at the police, you see the equivalencies, but that was not meant, I mean, it just turned out to be, but it was not at all meant to be any way of adapting the novel.
I'm unfortunately getting the signal that we have to end here. I know we could continue the discussion, which is such a testament to the film. Thank you all so much for being here. Please, another big round of applause for Les Misérables.